De la dernière séance d'entraînement de Léopard. Et nous allons parler exclusivement sur le banc. Là, c'est vraiment pas de mon ressort. Je veux dire, je peux pas penser à ça. Moi, je me focalise sur le match. Si on a une seule chance, c'est de gagner avec 2 buts d'écart. Donc, je me focalise sur ça. Après, ce qui va arriver, je peux pas y penser. Donc, moi, je me concentre pour faire ce que je dois faire. De l'arrivée de le soir, croyez-vous que demain on pousse ou chercher la victoire à tout prix? Alors c'est l'occasion de parler un petit peu de ce stage qui s'est déroulé de façon un petit peu on va dire différente des autres, parce qu'il y a eu énormément d'absences pour ce stage. Alors Shadrack Muzungu n'est pas prévu pour être dans le groupe. Il se fait qu'il fallait travailler et il me manquait quelqu'un. Par rapport à celui qui devait être là, c'était Ben Malago. Alors ne pouvant pas être là, pour le travail, j'ai intégré Shadrack Muzungu, mais il n'était pas prévu d'être dans le groupe. Voilà, tout simplement. Comme ça, qui ne vont pas prendre part au match, mais pour le besoin. Notamment Robert Wilangi qui était déjà venu avec moi pendant un ou deux entraînements. Le contrat ne s'arrête pas après le match, donc je resterai là au moins jusqu'à la fin de mon contrat. Ensuite, il y a une discussion à avoir. Je m'adresse au capo. Quel organe? Je pense que notre travail c'est la même chose. On va aller pour gagner les matchs et tous les mathématiques peuvent se faire après les matchs, mais nous avons dans notre tête qu'on veut gagner les matchs et on va essayer de marquer plus de buts possible. Mais la première objectif c'est les 3 points qu'on va voir après. Il n'a pas marché et la projection pour la suite avec les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 qui pointe déjà l'horizon. Alors, si je peux faire un aperçu rapide, on va parler un peu mathématiques. Je prends ce que Gabi vient de dire. 5 matchs, le bilan, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc, voilà. Bon, ça aurait été suffisant à un certain temps, mais là, c'est pas suffisant parce qu'on a un adversaire qui a fait mieux que nous. C'est la Tunisie. Donc, voilà. Un bon bilan. Donc on va dire des bons résultats, mais un peu de déception parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est devant nous. Alors ce qu'on a fait de mal, c'est notamment ce mauvais résultat en Tunisie, parce que contrairement au match qu'on a fait ici, parce que ce sont des choses qui arrivent malheureusement dans le football, surtout quand vous menez 2-0, là on a été suffisamment puni et vous avez la possibilité même de mener 3-0. Vous êtes surpris quand vous encaissez et ça arrive souvent dans le football, ce renversement de situation. Quand vous pensez avoir déjà remporté le match, vous vous déconcentrez. Hier soir, avant de dormir, je regardais le match qu'on a pu faire en Guinée. Ça passait sur une chaîne de la place. Donc je suis tombé dessus et j'ai vu. On était mené 1-0, on a renversé la tendance, on a marqué 2 buts quasiment en 5 minutes. Donc voilà. Là, cette fois-là, c'était bien pour nous.
Cette fois-ci, ça a été à nos dépens, mais ça fait partie du football, malheureusement. On le paye encore maintenant, on en souffre encore maintenant. Mais je regrette beaucoup, surtout l'entame de la deuxième mi-temps du match en Tunisie face à la Tunisie. Parce qu'on était bien revenu au score et on s'est déconcentré, alors que c'était le moment où on devait avoir plus de lucidité. On s'est déconcentré au retour de la mi-temps, juste dans la première minute, et on a encaissé le premier but. Le deuxième but, pardon, face à la Tunisie, c'est ce moment-là que je regrette le plus. Voilà. Je pense que on s'en va, on est en train de jouer les éliminatoires. Ça fait deux ans en suivant, enfin deux Cannes, plusieurs qu'on se qualifie là en suivant. On s'est qualifié face à la Cannes Malabo, celle-là contre à la Cannes Libreville. Maintenant, il ne faut pas rater. Celle du Cameroun, on a bien entamé en gagnant contre le Congo Brazza. Bah, il faut se servir de ça. Ce match-là est très important aussi pour pouvoir continuer nos éliminatoires au Libéria et face au Zimbabwe. Rien n'est jamais simple. Il n'y a pas de petite équipe, donc il faut rester concentré et aller de l'avant. Je pense qu'on a, depuis 3 ans, on a une... On a une façon de travailler, une vision, on a eu quelques résultats en travaillant d'une certaine façon. Il faut la continuer, je crois. Il faut avoir cette envie de gagner à chaque fois. Gabi vient de le dire. Nous, on ne prend pas de match à la légère. On ne prend pas de petits matchs. Tous les matchs, on les prend les plus sérieusement du monde. On ne gagne pas tout, malheureusement, pour nous. Mais bon, ça fait partie de la vie. Mais au moins, on reste sérieux et on a envie, à chaque fois qu'on rentre sur le terrain, de l'emporter. Et donc, dans le même ordre de l'idée, on a envie de se retrouver au Cameroun. De tous les supporters, de tous les Congolais. Et première question aussi, nous, après le match, on a un message particulier. Je crois que le message qu'on peut dire au public, c'est merci. On peut dire que ça. Donc, merci de nous avoir soutenus. Pendant toute cette période et qu'il faut qu'ils continuent à nous soutenir parce qu'on ne gagne pas tout seul. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup compris le message, mais j'ai souvent dit que quand on gagne, c'est pas simplement parce qu'on chante Ibenge Koché. Je pense que quand on gagne, c'est quand on est tous ensemble. C'est le Congo qui doit gagner, c'est pas une seule personne, j'ai dit suffisamment. Donc tout le monde doit pouvoir jouer son jeu pour qu'on puisse l'emporter. Alors Narati, banda peut au bandi, espoir on a pesagi un peu légitime. Pour ça d'anga, donc envie d'anga et l'ombre qui anga. Sima. Bon, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ah, bah, ma bonne idée. Mais, bah, vrai supporter, bah, vous en avez toujours. Mais, tout le monde est dans les bandes, les gens, nous savons que les Congolais ont gagné. Dans 4 ans, donc, mais si on tient objectif, au bandobé, tu as un loco. Ils ont des bandes de loco parce que, entre guillemets, bah, on a à peine d'avoir un. Maintenant, il y a 6 qui ont déclaré forfait. Pourquoi ? Comment dire sur votre question ? Il y a. Voilà, ça revient un petit peu de là. Pourquoi on n'a pas pris Afobé ? Et moi, ça me fait un peu mal quelque part. Parce que je dis encore une fois, c'est le journalisme, c'est le métier que je voulais faire. Je le dis encore une fois, c'est le métier que je voulais faire. Et il y a une chose dans le journalisme, je ne sais pas si c'est le mot, moi je ne suis pas journaliste, hein, mais il y a un mot qui est important dans le journalisme, c'est recouper l'information. Je crois, hein. Je ne sais pas, hein, je crois. Alors, maintenant... les journalistes au Congo, je ne sais pas si on travaille sur la rumeur ou on recoupe l'information. La question que vous me posez, vous auriez pu la vérifier avant. Ou vous auriez pu appeler à Fobé pour savoir. Comme les joueurs qui sont pas là. Maintenant, on fait des émissions. Quelqu'un reçoit quelqu'un sur le plateau pour venir parler de ça. Et il attend une rumeur et on attend que le coach vienne pour démentir. Alors qu'il est journaliste, il pourrait couper l'herbe sous le pied de la personne qui vient pour faire
de la méchanceté gratuite. Tous les joueurs qui ne sont pas venus, maintenant la rumeur c'est qu'ils ont un problème avec eBay. Ou parce qu'ils ne veulent plus d'équipe nationale, ils sont démotivés, ils ne veulent pas venir. Mais personne n'a pris la peine d'appeler Botaka. Personne n'a pris la peine d'appeler son club, Saint-Tron. C'est facile, hein? Internet, vous avez les coordonnées des clubs. Personne n'a pris la peine d'appeler Mpoku. Personne n'a pris la peine d'appeler Afobe, Kakuta. Et tous ceux qui sont... Et Akolo. C'est facile, vous allez sur Internet ou vous prenez leur téléphone. Il y en a même qui me demandent pourquoi j'ai pas pris Bakambu alors qu'il est suspendu. Eh ben oui, non mais c'est que, ouais, Bakambu n'est pas venu, mais la dernière fois, il boudait. Voilà, on travaille sur de la rumeur, on ne recoupe pas l'information, et pire, on reçoit des gens qui viennent dire des bêtises sur le plateau, et le journaliste est là, il corrobore, mais il attend que vous veniez pour contredire la personne. Ça me rend triste. Ça me rend triste parce que j'ai une haute, mais vraiment une très haute opinion de cette profession. Et ça me rend triste. Voilà. Le dernier intervenant. Mais bon, ce que j'ai dit, ça sera, ça continuera la rumeur. La rumeur et la polémique, ça c'est super sympa. C'est ce qu'on aime ici. Voilà, coach, pour aborder le match contre la Guinée. Et puis la deuxième question, RDC, Guinée, Tunisie, Libye vont se jouer au même moment. Donc deux matchs simultanés. Quel est votre souhait personnellement pour ces deux matchs? Je termine par le souhait. Le souhait, c'est qu'on gagne 2-0 et que la Libye perde. Pardon, la Tunisie perde. Que la Tunisie perde 1-0 à la 90e minute et que nous, on gagne 2-0. Voilà, ça, c'est le souhait. C'est le souhait. Bon, quant à la préparation du match en elle-même, c'est vrai, je crois que ça fait... 3 ans je suis à la tête d'équipe nationale, mais ça fait 5 ans, je vais sur les 6 ans, je suis dans mes clubs. Je crois que vous me connaissez maintenant. Je ne pleure pas. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Quand il y a un joueur qui n'est pas là, eh ben, je fais confiance à celui qui va le remplacer pour qu'il puisse faire du mieux possible. J'ai cette culture-là. Moi, je rentre sur le terrain pour gagner et je fais confiance aux joueurs que j'ai. Je ne pleure pas. Sinon, on serait tout le temps en train de pleurer là parce que Yannick Bolas, il nous manque. Sinon, on serait tout le temps en train de pleurer. Non, il faut continuer à avancer et faire confiance à ceux qui sont là et continuer à avancer avec eux. Et ceux qui sont là, je leur fais entièrement confiance. Et il faut voir, les joueurs sont venus avec enthousiasme, contrairement à ce qu'on croit. Quelqu'un comme Harrison Manzala qui n'a pas pu arriver est désolé. Il est désolé. Il aurait bien aimé être là. Rémi Moulumba qui n'a pas pu venir, là encore une fois, comment ça se fait? Il est venu la dernière fois, on l'a remplacé, il est venu en 2 jours. Et là maintenant, il ne peut pas venir alors qu'on l'a prévenu à l'avance. Il y a une situation qui se passe, les situations ne sont pas les mêmes. On vous explique que c'est la période des vacances, il n'y a plus de place dans les vols. Mais non, c'est qu'il y a un problème. Mais personne n'a pris la peine d'appeler Ajaccio, alors qu'on a travaillé même avec ce club d'Ajaccio pour trouver la meilleure solution pour que Rémi puisse venir. Et c'était impossible. Mais bon, voilà, on va continuer. C'est un peu comme la chanson de Kofi, hein, Diabolos. Bah oui, on te montre le bon Dieu ici, mais toi tu demandes, hé, Diable Azalawan. Voilà, on vous dit quelque chose, mais vous cherchez toujours à savoir autre chose et pour la polémique diabolique. Voilà. Gender pour clôturer. Est-ce que est arrivé déjà que Okuta n'a une deuxième question? Est-ce que vous avez vraiment la commande pour dire qu'il est beau? Tout le monde est là pour dire que ça va changer. Bazouki, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Nous avons droit à 15 minutes. Les 15 premières minutes de la dernière séance d'entraînement.